et deuxième ville du pays et riche d'une histoire urbaine, agricole et industrielle. Elle l'était, considérée comme le pôle économique le plus important du pays. Or, elle présente malheureusement aujourd'hui l'image d'une ville tentaculaire et désorganisée où les réseaux de transport et de la mobilité occupent une place centrale de toute la problématique d'aménagement. Le paysage urbain de la ville de Sfax est marqué par le béton qui a pris d'assaut ses gènes. Situé à l'interface de son Oliveré et de la ville qui faisait jadis la fierté de ses habitants. السيدات والسادة الضيوف الكرام ورؤساء الهيئات المهنية ممثلي الوزارات والمؤسسات ممثلي المجتمع المدني المهندسين المعماريين اللي هم زملائي الحضور الكريم يسعدني أن أفتتح على بركة الله هذا الملتقى الدولي للتنمية والتهيئة المستدامة حول صفاقس آفاق 2050 في الحقيقة بدون إطالة وبدون كذلك إشحاف أن صفاقس تقصها الشمال وانطلاقا من الوضع الحالي أعتقد أن الشيء الأساسي للمناقص هو التجهيزات الأساسية اللي هي ديسيدين خلت نوعا ما من العزوف على استثمار في صفاقس وكذلك نوع من الألم بالنسبة للمواطنين والساكنين لأنهم يعيشوا بعض الأوضاع الرديئة أو المتردد. تمر تونس بمرحلة هامة من تاريخها بعد ثورة الكرامة والحرية والتي ولدت رهانات وتحديات هامة على الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب وضع خطة واستراتيجية وإصلاحات هيكلية لربح هذه التحديات. وإذ تعتبر التنمية الجهوية العادلة والشاملة والمتوازنة من أولويات المرحلة القادمة لتقليص الفوارق بين الجهات وخلق مناخ ملائم للاستثمار بمختلف جهات البلاد من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات والموارد الهامة التي تتميز بها كل جهة. فإن التهيئة الترابية والعمرانية تمثل أهم أداة لتنظيم استعمال المجال الترابي على المستوى الوطني أو الجهوي والتي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى. من البديهي أن موضوع السياق مباشرة بدون التباع هو موضوع حسم وقع اتخاذ قرار في إطاره لأنه يعد في الوقت الحالي مساوي ثابتة. لذا تقول لي تلوث أن اللي يلزم حل يرضي الجميع اللي يمشي نحو الإزالة والتعويض تعويض هالمشروع هذايا في أي مكان ما اللي هو يبعد المدينة من التلوث ومن المشاكل اللي عشناها تاريخا. تأتي هذه الندوة حول دراسة صفاقس آفاق 2050 في مرحلة جديدة تعيشها بلادنا تتطلب نظرة استشرافية لمستقبل يتم رسمها باعتماد تحليل معمق للواقع الحالي وتشخيص محكم لسياسة التهيئة الترابية والتعمير وتفاعلها مع السياسات القطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بكل الفئات والجهات. J'espère bien que ce séminaire et ce colloque soit vraiment une occasion pour nous tous de, premièrement, de mettre l'état du lieu de notre politique d'aménagement, d'urbanisation et de planification urbaine. En deuxième lieu aussi d'échanger les expériences, que ce soit nationales ou internationales. Je voudrais tout simplement insister sur le point que ce colloque vient dans un contexte très spécial pour la Tunisie, c'est un contexte caractérisé par la consécration dans la Constitution de nouveaux principes qui donnent beaucoup plus d'autonomie au régional, au local, avec le chapitre 7,
maintenant, avec le nouveau code des collectivités locales, on trouve beaucoup d'articles qui s'intéressent à l'aménagement, à l'urbanisation et à la planification urbaine. Ce nouveau code qui insiste sur, ou bien il oblige même les collectivités locales à utiliser les outils de démocratie participative dans l'établissement des documents de base en matière d'aménagement et aussi en matière de planification urbaine. Le premier document de planification urbaine a été appelé Perspective décennale de développement, a été élaboré en 61. Et en fait, depuis l'indépendance, il y a justement ce déséquilibre régional au niveau du développement urbain et territorial. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand même la reconnaissance de ce secteur et de l'importance de ce secteur, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, fin 2015, en fait, c'est vrai qu'il y a un ministère qui s'occupe de ça, mais on n'accorde pas réellement de l'importance ni à la discipline, ni, je dirais, aux professionnels de la discipline. C'est pas grave, je vais sortir un peu du sujet, mais ce matin, la discussion était qui est responsable de la situation et de l'état de la ville de Sfax aujourd'hui. Et quelqu'un a dit, ce sont les architectes. Enfin, il a oublié les urbanistes, les sociologues et tout ça. Mais est-ce réellement la responsabilité de ces concepteurs des villes ou de ceux responsables de la fabrication des villes? Oui, je n'aime bien pas répondre maintenant parce que je vais vous montrer que, à partir de certains détails, entre 56 et 59, le nombre de communes est passé de 75 à 112 en essayant de pallier justement aux injustices régionales. Et ça n'a pas contribué aux disparités. 79, le pays se dote d'un code d'urbanisme. 85, on réalise le premier schéma national d'aménagement du territoire. Et en 87, le gouvernement a opté pour une politique d'ouverture économique et d'intégration mondiale. Les objectifs étaient la décentralisation. Je n'avais jamais travaillé sur Sfax et donc je me suis retrouvée un petit peu dans la peau d'un candidat qui débarquait dans cette ville et qui devait découvrir la ville. Et donc j'ai été pris en main par de nombreux membres de l'ADDS qui m'ont amené. Et donc mon rôle aujourd'hui est un petit peu comme ce personnage imaginaire dit à l'hôtel Villeneuve, qui en réalité est Marco Polo, mais je n'ai pas la prétention d'être Marco Polo, et qui va auprès du très grand sage Coulard, raconter un petit peu ses vies imaginaires qu'il a visitées pendant son grand voyage. Parce qu'elle marque de ce qu'était Sfax et de ce qui est devenu Sfax. Et en même temps, pour nos amis qui découvrent complètement Sfax, qui viennent pour la première fois, je pensais que c'était intéressant. Voilà, donc en 1887, il y a l'image de Sfax, la mairie qui est là, juste à côté, on voyait la mer. Et aujourd'hui, voilà, quand on monte vers Sfax et Gélida, on est le long de la Médina, voilà ce que l'on voit. Donc c'est quand même un choc. Une publicité pour acheter des appartements à Sfax et Gélida. Alors, comment ces transformations se sont concrétisées sur le territoire? J'ai, outre les études que l'on avait données, essayé de retrouver des plans qui présentent la ville. Voilà la ville en 1881. Donc, elle va évoluer, ça c'était un guide touristique des années 30, dans le livre du journal. Sfax en 43, Sfax en 2009, vous voyez déjà qu'il y a une couverture comme une pierre donc, qui s'étale sur tout ce territoire. Donc j'ai retrouvé ce passage que je vous donne à votre méditation dans cette analyse qu'en a fait Jean Poncet en 1979. Ce qui est maintenant mis en question, c'est la totalité des pratiques et des travaux grâce auxquels les populations de cette zone du Sahel méridional avaient réussi au cours des siècles à créer, entretenir et préserver l'environnement exigé par une cité majeure, tant du point de vue naturel que du point de vue social. Plus exactement, des seuils risquent d'être franchis si l'importance des problèmes n'est pas saisie et mise au centre des préoccupations collectives, au-delà duquel toute l'expansion de la ville moderne entraînera détérioration du milieu. Et donc notre préoccupation, c'est Sfax, ville. Et vraiment, je me suis basée sur cette méditation. Donc on constate déjà que la crise territoriale est déjà pointée.
et que la nécessité de trouver des solutions compatibles avec les réalités de ce territoire, du territoire sur lequel vous vivez, sur lequel il y a des populations qui arrivent aussi, qui s'installent, est vraiment déjà. Ce que on déduit de l'ensemble de ce qui a été écrit déjà, c'est cette idée un peu du déjà-vu. C'est-à-dire, lorsque je lis parfois les travaux de recherche, mais aussi les documents d'aménagement, on a tendance à répéter la même chose, on est un coup dans l'eau. Le projet Tapalora, depuis 20 ans on parle du projet Tapalora, plus de 30 ans. Le projet Sfaxel-Jadida, les problèmes de la centralité, etc. Donc depuis longtemps, on travaille sur ces questions, mais toutes les études, vraiment, font un peu la même chose. Pour les PRF à Sfax, bon, peut-être Sfax quand même, c'est peut-être la seule ville, il y a un PRF, hein, dont, en Tunisie, le seul PRF qui a été engagé, c'est à Sfax, à Sakhitazi, sur une superficie de 400 hectares environ, depuis 2009 maintenant. Le PIF, j'ai dit que la validité, sa validité est de 6 ans, maintenant c'est presque épuisé, donc il faut vraiment renouveler la validité pour une deuxième 6 ans, deuxième période de 6 ans, et pourvu que ça soit, espérons que ça soit maîtrisé d'ici là. Et jusqu'à maintenant, le foncier, les acquisitions sont très très faibles, très faibles, surtout la superficie, toute la superficie, on a pu acquérir que, enfin, la FH n'a pu acquérir que 18%. J'aimerais donc aussi vous dire que ce projet que je vous présente aujourd'hui est un projet qui a été initié parce que la ville de Montréal est devenue depuis peu, depuis 2006, une ville désignée ville UNESCO de design. Donc une désignation qui n'est pas une désignation patrimoniale, mais une désignation orientée sur le devenir de la ville. Et ça, peut-être, j'en parlerai peut-être plus tard dans la journée, dans les débats, qui pourraient intéresser Sfax, justement. Vous qui l'intéressez à une déclaration peut-être onusienne et donc de l'UNESCO sur l'aspect patrimoine, mais je ne suis pas certain que l'angle patrimonial soit nécessairement la clé d'entrée pour un projet auprès de l'UNESCO. Mais bon, on pourra en débattre. Je veux dire effectivement que cette désignation de Montréal, ville UNESCO design, ce n'est pas une désignation parce que Montréal est une belle ville. Montréal, pour bien des gens, est une ville très laide. Et on dit souvent que la beauté de Montréal, ce ne sont pas ses bâtiments, mais ce sont ses gens. C'est l'humain. Et ça, c'est important de retenir cet aspect-là. Une ville peut être belle par son âme et par les hommes et les femmes qui peuplent cette ville. On pense trop à des villes comme Paris, comme Rome, qui sont des villes millénaires, mais qui sont belles sur la forme, sur leur expression. Mais j'aime autant, moi, vivre dans une ville qui est belle par ses gens, par ses habitants. Donc, c'est une désignation qui oblige les pouvoirs municipaux, tout comme les pouvoirs provinciaux et fédéraux, donc le Québec et le Canada, de revoir de quelle manière, de voir de quelle manière cette ville peut se développer. Donc c'est une désignation qui est plus prospective. Comment elle peut se développer sur le potentiel de sa population, potentiel créatif notamment. Et aujourd'hui, donc, on voit qu'il y avait donc ici, en début de la matinée, des représentants de l'ordre des architectes. Donc, cette désignation fait appel aux architectes, fait appel aux designers urbains, aux urbanistes, aux architectes de paysage. Comment donc mieux faire la ville avec ce potentiel créatif ? Et l'interaction entre le transport et le développement durable. Donc, quelle mesure le transport peut contribuer à la concrétisation de cet objectif stratégique de développement durable? Et dans quelle aussi
Et qu'est-ce qu'on entend par transport durable? C'est-à-dire comment peut-on construire un transport durable? Donc le temps de cette... j'oublie tout d'abord, je remercie le comité d'organisation du séminaire de m'avoir invité pour participer à ce séminaire, et particulièrement à Sainte Magie. J'apprécie bien donc son rôle assez important dans la promotion donc, de développement durable de la ville de Sfax. Donc le plan de la présentation va être traité en 4 points. Le premier point va aborder la thématique d'une manière assez brève entre la corrélation entre transport durable et la notion de développement durable. Par la suite, une petite évaluation à travers quelques indicateurs sur la durabilité du système de transport dans la ville de Sfax. Ces indicateurs vont nous montrer que le système de transport dans la ville de Sfax est non, malheureusement, est non durable, il ne respecte pas donc, les critères de la durabilité, il ne répond pas à ses objectifs. Quelles seront les conséquences? Quelques monétarisations de ces conséquences ont été élaborées lors de mes études d'encadrement avec quelques mémoires. Donc je suis un enseignant universitaire qui fait particulièrement de la recherche en économie et transport. Donc avec quelques étudiants, on a élaboré plein de travaux sur la quantification de la conséquence de la congestion, de nuisances sonores, de nuisances de pollution. Finalement, quelques propositions de solutions seront proposées pour élaborer ce système de transport durable. Donc, la notion de développement durable, c'est une question qui a été posée par l'un des invités. C'est une notion qui est apparue, je pense, en 1980, mais a été popularisée d'une manière et généralisée à partir de la conférence de l'environnement à Rio de Janeiro, je pense, en 1992. Et à partir de cette date, elle est devenue comme étant une orientation, un objectif stratégique sur lequel les nations vont établir leur développement économique. Donc, on ne parle plus de la croissance économique seule, ni de développement, mais on parle d'un champ plus vaste, plus élargi sur le développement économique ou le développement durable, qui traite à la fois de l'équilibre économico-socio-environnemental. Donc on doit s'intéresser non seulement à la création de la richesse, à l'efficacité, au gain, c'est-à-dire économique, mais aussi à l'équité sociale, à la lutte contre la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie de la population, et avec cet environnement, avec ces nuisances de plus en plus importantes et ces dangers contre l'environnement, et cet piège ainsi que surexploitation de ressources naturelles non renouvelables, on a pensé à une nouvelle logique de développement qui est basée sur la notion de développement durable. Dans la définition la plus adoptée, présentée par la commission de Grotelin dans 87, qui l'a définie comme étant donc, un développement qui répond aux besoins de la génération présente, c'est-à-dire des présents, sans pouvoir en compromettre la capacité des générations futures de reprendre aux heures. Donc, elle est fondée particulièrement, comme on l'a dit, sur trois piliers. Les piliers économiques ou les objectifs économiques dont on cherche à créer la richesse, à créer la croissance économique, à créer la prospérité économique à travers création d'emplois, création de valeur ajoutée, promotion d'investissement, attractivité des investissements directs étrangers, mais cela ne doit pas être au détriment ni de l'environnement ni de la société, tout en assurant une équité dans la répartition de cette ressource. Donc la combinaison entre économie et société peut être, on peut, c'est-à-dire l'équilibre peut nous permettre d'avoir l'équité, donc on doit avoir des solutions équitables. Par la suite, on voit, c'est le nouveau défi imposé, comme on l'a dit, par le danger ou les menaces de l'environnement. Il faut préserver donc la qualité de l'environnement et il faut aussi préserver les ressources naturelles non renouvelables et optimiser leur utilisation. Au niveau du transport, donc généralement le transport se trouve au cœur de cette problématique de développement durable. Il est à la fois un facteur qui contribue au développement durable à travers ses externalités positives, c'est-à-dire à travers sa contribution à la croissance économique et à l'équité sociale.
il est essentiel que ces trois questions soient à l'ordre du jour dans toute réflexion sur l'avenir de l'Sfax. Et quand je dis Sfax, il faudra le prendre selon différentes donc, échelles spatiales. On parle de la ville de Sfax, on parle de la région de Sfax, on parle de Sfax et son arrière-pays. Donc c'est des emplacements d'échelles territoriales différentes. Et chacune de ces échelles a ses propres enjeux, ses propres attentes et ses propres, devrait avoir ses propres visions pour leur devenir et pour le développement. Et donc je commence par le premier élément qui est le processus donc, de mutation et géographique important qui est la métropolisation. Donc dans le schéma directeur d'aménagement du territoire donc, national, Sfax est proposé comme une métropole méditerranéenne. Par comparaison, donc, Nice est proposée comme une métropole internationale, ce qui suppose que certaines fonctions devraient être enracinées donc, au niveau de la ville, des fonctions donc, logistiques, des fonctions de commandement, donc des, mais également des fonctions pour l'attraction, pas uniquement des entreprises, mais également des ménages, des cadres, des personnes qui ont le pouvoir et le savoir pour gérer la ville et pour sa promotion. Également, donc, la métropolisation, qui veut dire que la ville de Sfax devra avoir un rôle important, non pas sur sa propre gouvernance, mais également sur la gouvernance de l'ensemble du territoire qui est pays de Sfax. Cela suppose également un repositionnement dans le modèle donc, économique. Si on parle de Sfax métropole, méditerranéenne au moins, il faudra que son rôle dans le modèle d'aménagement du territoire, donc de l'économie, soit en conséquence et ne doit pas être traité comme une simple ville moyenne du système urbain tunisien. Également, la polarisation de Sfax de son arrière-pays. Donc, son arrière-pays ne se limite pas aux limites administratives du territoire de Sfax. On voit ce qui se passe à Gnessi, à Guerre, à Nadouche et d'autres villes de la région, de Kermanie également. Donc, on sent donc, l'influence donc, du Sfax, de la partie de la socio-économique, et ces relations devraient être donc, matérialisées dans la vision prospective de l'évolution du Sfax, et non pas être donc, confinées dans la limite administrative du gouvernorat de Sfax qui, historiquement, comme vous savez, a subi différentes donc, modifications, donc guidées par des questions donc, techniques et des questions de, disons, d'encadrement politique et sécuritaire. Donc, cela implique également ce nouveau rapport aux villes périphériques de la ville-mère, aux aires périurbaines et au monde donc, rural. Donc, tout le monde doit se retrouver cette région donc, métropolitaine, ne pas donc, être donc, considéré dans des rapports moins Sfax, moins pas Sfax, ou moins donc, dans la zone urbaine, dans la zone rurale, etc. Mais on partage tous donc, cette région donc, métropolitaine et le devenir de la région donc, métropolitaine est une question qui nous intéresse tous, quel que soit le lieu de notre implantation dans cette aire donc, métropolitaine. Cela appelle également à la nécessité de services urbains performants, une gouvernance urbaine efficiente et d'un aménagement de l'espace de qualité. On en a discuté tout à l'heure quand on a parlé de la question de Smart. Je veux parler de la comparaison que vous avez faite avec le Caire, Paris et Montréal. À mon avis, on est en train de comparer l'incomparable, vu que ce sont des grandes villes de point de vue surface, point de vue population qui ayant des dizaines de millions d'habitants, avec une ville qui n'a même pas un million d'habitants. À mon avis, on ne peut pas comparer avec ces villes. Deuxièmement, ce qu'on voit à Sfax, le plus grand problème à Sfax, c'est le problème de la circulation. Et vous n'avez pas parlé du métro qui va être installé à Sfax. Et à mon avis personnel, ça va être une vraie catastrophe. Peut-on faire une évaluation sur les raisons, car l'étude n'est pas un objectif en elle-même. L'objectif, c'est d'améliorer. Cependant, le résultat contredit les objectifs. Cette dichotomie entre résultats
et, c'est-à-dire, et objectifs de l'étude, dû à quoi? Pourquoi on n'a pas pu atteindre les objectifs déjà réalisés par l'étude? Est-ce que la qualité de l'étude elle-même, ou à travers, c'est-à-dire, les propositions, les recommandations qui ont été menées dans l'étude n'ont pas été sérieusement adoptées et appliquées, donc faute d'applicabilité, ou plutôt que les objectifs ont été fixés à des barres très très élevées, supérieures aux moyens disponibles, et par voie de conséquence, on n'a pas pu atteindre ces objectifs, c'est-à-dire la défaillance de système urbain de la ville de Sfax, malgré que l'objectif des études qui ont été déjà préparées et établies, c'est d'améliorer la situation. Mais la situation est de plus en plus médiocrisée ou de plus en plus détériorisée. Et j'ai constaté l'absence de la définition claire de la durabilité. On parle de durable, mais on n'a pas bien défini aux gens qu'est-ce que ça veut dire durable. Souvent, on laisse entendre que le durable, c'est l'écologique. Alors que ce n'est pas vrai. Le durable, c'est l'économie, c'est le social, c'est l'écologique. Et aussi, le bien-être. On a ajouté des choses, le bien-être des gens, comment se sentent vivre dans une ville et se sentent ensemble dans un bien-être. Est-ce que vous avez envisagé, lorsque vous avez préparé les solutions, une vision de Smart Cities? Je sais que sous la tutelle du ministère de la Technologie, il y a des projets qui sont en train d'être préparés. Et dernièrement, Liège a été accepté comme Core Smart City et Sfax, malheureusement, le projet de Sfax Smart City n'a pas été accepté comme Core, mais comme Affiliate, justement parce que l'aménagement urbaniste, il n'est pas adéquat. Leur valorisation face au territoire dans lequel ils vivent. Donc ça, c'est important de caractériser, d'autant plus si vous voulez aller vers cette vision 2050, c'est de prendre acte quel est le caractère des enjeux socioculturels face au territoire urbain de Sfax. Parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui d'économie, d'environnement, de transport. Donc certains piliers, effectivement, des monts durables, mais on n'a pas beaucoup parlé du culturel. Et on sait très bien que le culturel, c'est le quatrième allié. Bon, maintenant, les plans d'aménagement se résument à une étude bilatérale entre la commune, le bureau d'études et le ministère de l'équipement. La concertation avec les citoyens, elle est très réduite, voire même absente. Voilà. Mis à part l'affichage public, pas mal de gens. Très bien. Bon, je vois ça peut être un instrument pour aider à fédérer. Malheureusement, en Tunisie, on est en période transitoire, où les politiciens ne sont pas là, où il y a des délégations spéciales, où il y a au niveau du gouverneur des réformes. Donc tout ça fait que ce vide a été conquis par évidemment, la société civile. Et depuis 2011-2012, Pekou Kofra, ADSS, ADDS, on a travaillé sur ça, oui. Et chaque fois on innove. La société civile maintenant, elle est en train d'innover.